shake it, shake it. Move it, move it. Pump it, pump it. Shake it, shake it. Move it, move it. Pump it, pump it. Le retour! Le retour! Bien sûr! Vous l'attendiez tous! Il était là, devant vous! Devant près de 15 000 viewers! Pas du tout! Deux semaines! Deux semaines qu'on attendait! Deux semaines que là, on attendait ça! Il est en retard! Je le déteste! C'est bien sûr! Moi! Gaking! De retour! Bien sûr! Ici, sur vos écrans! Pour votre plus grand plaisir, que demander de plus? Je ne sais pas, je ne sais pas. À part peut-être une course d'anthologie, bien sûr, anthologie, c'est le mot. Et on va la voir tout de suite avec, bien sûr, cette petite... qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Hello, salut Gel tout le monde, salut, bah, incroyable, bonsoir, bonsoir. Désolé pour le petit retard, désolé pour le petit retard, on a un petit contretemps. On a eu un petit... C'est pas passé comme ça, moi. Hop là, hop, un petit... Allez, hop, hein. On fera le français plus tard. On a eu un petit contretemps, je suis vraiment désolé, mais c'est pas grave. Oh là là, incroyable, ça, directement, le train live. Et Acta a pris son sub. Incroyable, a pris un abonnement. Alors, je vais juste faire ça comme ça. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon, le flux de chat... Et avoir le filtre des activités. Excusez-moi. Acta, incroyable. Zeka. Oh là là, il y a beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses. Non, Acta. Bouzam aussi, incroyable. 9 minutes. Lee Wilson, merci pour le follow. Guillaume du 33. Il y a 20h, merci beaucoup. Il y a une nuit, Bouzam et Acta, merci beaucoup. 13e mois d'abonnement pour Bouzam et 14e mois d'abonnement pour Acta. Yo la famille VMV, ça fait plaisir de retrouver mon show favori pour cette saison 10. Incroyable, merci beaucoup et merci beaucoup à ZK77 210. Alors cette saison, nouveauté déjà, je suis tout seul. Déjà voilà, Overlay qui ne reviendra pas. Il m'a annoncé, il y a peu de temps que voilà, il ne pourra pas reconduire sa saison. Mais bon, c'est comme ça. Donc si vous voulez venir et être caster VMV, vous êtes le bienvenu. Donc sinon on est sur bien sûr Spa, mais d'abord, hop, oups, tac. D'abord on va bien sûr regarder la petite, la line-up, hop là, la line-up, et ben la line-up Liga, elle est incroyable.
C'est vraiment, on a là une line-up de qualité. Qu'est-ce que la qualité? C'est bien sûr d'abord Chalfatory, Arkham et Doxou. Doxou nous avait énervé. Oh là là, incroyable, j'ai plein de train live, incroyable. Domus, renouvelé son abonnement de 1 mois. Merci Merci Domus. Domus. Cinquième mois d'abonnement. Incroyable. Et Firma qui a renouvelé son abonnement. Merci Firma. 11e mois d'abonnement pour Firma. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Faut que je re-règle. Merci, merci, merci. Faut que je. Putain, que je fasse ça. Objectif, je vais mettre un post-it. Remettre les sonneries. Voilà, j'ai eu 2 semaines pour faire ça. Voilà. Donc chez AlphaTauri, Arkham et Doxou sont là. Shipper, quant à lui, est avec Tex, c'est Red Bull. Et là, c'est la première information. Si vous ne l'aviez pas déjà vu, Shipper et Asmon ne sont plus dans la même écurie. Asmon a décidé, tel Bottas, de ne plus être lieutenant, mais d'être bien. Pourquoi pas un chef de meute, et ça fait plaisir. Shipper Tex, là ça va aussi se taper, hein, parce que Tex est aussi très très fort, donc à voir si qui c'est qui va comment dire, prendre les rênes de cette écurie Red Bull. Varkir Bouzin, bien sûr la doublette, on l'adore, on les... Je veux dire, on ne peut pas séparer ces deux-là non plus. Varkir Bouzin repart sur une saison chez Mercedes. Asmod et Xanfan sont là. Pour représenter McLaren aussi, Asmod et Xanfan, c'est incroyable. Terre Zero et Maetaven chez Haas. Mons Demeta chez Ferrari. Acta Zolo chez Williams. Gente Kachupi chez Alfa Romeo. Where's Audrix chez Aston Martin, bien sûr. Steph et Descazes chez Alpine. On a du très très beau monde, on a du très très beau monde, mais on va directement aller bien sûr sur le jeu. Et là, les qualifications qui ont commencé, bien sûr, les qualifications qui ont commencé. Et j'espère que vous êtes très très chaud pour ce premier Grand Prix. Attention, petit bruit un peu chiant, désolé. Voilà. Tex, qui voilà, est en tour de sortie directement. Et on va essayer de Doxou. Doxou qui commence le premier Grand Prix. On va faire un petit tour de circuit, bien sûr, comme on le connaît. Aussi bien. Oh là, hop là. Oh, non, hop là, hop là. Voilà. Et donc, on le connaît très bien. Cette saison, je mets une pièce sur Tex. Ouh, Firma qui directement met les choses au clair. Et donc, Doxou, voilà, qui vient de faire le raidillon, bien sûr. Le Spa, je veux dire, on le connaît. C'est un circuit historique, si vous ne connaissez pas. Bah on va vous présenter. Après, c'est une grosse ligne droite avec le DRS. Il y a une petite épingle droite-gauche et directement un autre droit. Possibilité de dépassement, bien sûr, à la fin de cette ligne droite. Juste après, on a un long droit où on peut peut-être doubler. C'est possible de doubler à cet endroit-là. Elle qui ne sait pas encore. Juste après, un gauche. Attention au mur, à ne pas aller trop lent. Avec les pneus, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Ah oh ouais, non mais Doxou! Mais attendez, est-ce que vous êtes... Est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu? Le mec a utilisé la barre. Non, mais attends. Doxou, je pense qu'il s'est un petit peu entraîné. Doxou, j'ai l'impression qu'il s'est un peu entraîné. Que. Attention à ne pas gêner. Attention à ne pas gêner, Wers. Attention à ne pas gêner. Merci beaucoup, Wers. Merci beaucoup. Incroyable ce qu'il fait. C'est pas Shipper pour la 75e fois. Ce sera Tex ou Asmod. Le top 3 sera celui-là. Ah, je pense pas que ce sera celui-là. Moi, je pense que va y avoir des surprises. Et la surprise, je suis en train de la regarder. Je pense que Doxou sera dans le top 3. Ça, c'est sûr et certain, je pense. Il nous avait fait rêver pour la saison dernière avec de très très belles performances. Je pense que là, il est très très chaud. Et au vu de ce tour, à mon avis, il va être très très chaud. En combien? On va être pour l'instant 1,42,2. On va voir si ça va suffire, bien sûr. On va voir. On a pour l'instant aussi Tex. Tex, on est avec Tex, tiens, potentiel. Ils sont pas là pour enfiler des perles. Ah oui, non, c'est clairement, clairement, clairement. Et Demeta en 1,43,5, Demeta. Alors d'ailleurs aussi, dites-moi si tout d'un coup il y a un petit problème de son. Normalement, ça devrait tout être bon. Ça donne envie de reprendre les PC, tout ça. Alors, voilà. Firma qui directement. Voilà. Là, attention, hein. La firma qui revient sur F1 aussi. J'ai la main dans le slip. La main dans le slip, bien sûr. Derrière, Steph et Demeta ont fait leur temps. Et c'est Loki. Non. C'est GNTK qui a fait un temps juste après. Bien sûr, la troisième Ligue Soon. Ah, déjà, si la Ligue B pouvait rester.
On aurait déjà. Ça sera déjà très très bien. Et attention, la Tex qui est en train de survoler entre les voitures. Et regardez-moi ça, regardez Doksu, quel temps il a fait en soft. Moi je dis Doksu, hein, je vous l'ai dit, hein. Je lui ai dit Doksu, clairement. Chouchou. Et mais le train de la hype qui s'est fini. 4 abonnements, c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Et Tex, une 44.7. Temps moyen en médium, il pouvait faire mieux, je pense. Il pouvait faire mieux. On va aller suivre Xanfan qui est avec son nouveau coéquipier Azmod chez McLaren. Nouveau follow de Charney. Merci beaucoup du follow, c'est le 986e follow. 940... On n'est pas dépassé les 1000? Ou non, c'est 900. Parce que sinon, je me suis dit, attends, elle a beaucoup baissé. Salut Zerfox, yo! Comment ça va? C'est les 900 follow qu'on avait fêté. On est déjà. Ah oui. Si on est déjà presque à 1000, au secours. Incroyable. Incroyable. En tout cas, le top 3 est resté le même pour l'instant. Il y a eu beaucoup de médiums. Et là, mauvais temps pour Descazmac et Myrtaven pour l'instant. Sauf qui sont parmi les médiums. Exanfan, 1,44,478. Bon, un temps passe. Trop mal, pas trop mal, on peut faire mieux, on peut faire toujours mieux. Et on va aller bien sûr vers Choupi qui a annulé. Choupi qui a super qui a annulé, je veux dire. 1,46,0. Ouais, j'espère qu'il s'est foiré à ce mode parce que sinon ça devient cringe. Sinon ça devient cringe. Incroyable. Vas-y, Crow. Est-ce qu'il dernier virage, fais-nous plaisir. Ouh, c'est le quatrième temps de la part de Zikro. Ah, ça commence à y aller. Et sixième temps pour Terre Zéro. Sixième temps. Et on va aller voir Choupi. Choupi, quel temps va-t-il faire? Sixième temps pour Choupi. Et oui, les médiums qui commencent un petit peu à se faire un peu piéger, on va dire. Hop, 100%, 100%, ok. Oula! AXA! Ah, qui a dû toucher le vibreur intérieur! Il a dû toucher le vibreur intérieur, à mon avis, AXA. Ok, Doksu, la pépite, quoi. Ouais, je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, Doksu, il n'est pas là pour enfiler des perles non plus, hein. Je lui ai dit Doksu, je pense qu'il est. Il est très très chaud. Je pense que clairement il est top 3. Si je devais parier peut-être sur un top 3 maintenant sans avoir vu le niveau de tout le monde et des nouveaux, etc. Peut-être avec l'entraînement. Là comme ça, je dirais. Qu'est-ce qu'il fait Doksu? Faut pas se mettre hors de la piste. Je dirais. Allez. Allez, pour le lore. Doksu. Doksu, Varkir Shipper. Ou peut-être Varkir devant. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas, J'hésite. En tout cas, Doksu qui commence son deuxième run, on va le suivre, bien sûr, on va le suivre. On va. Bah. Il redémarre pas. Bah alors? Oh non, Doksu! Qu'est-ce qui s'est passé avec Doksu? Ah, il ralentit pour. Incroyable, pour Arkham! Ah, Arkham qui a dû lui donner de l'aspiration, lui, au tour d'avant! Incroyable team play de la part d'AlphaTauri! Juste après avoir trouvé Shipper et Azmod, ils trouvent le Doksu et Arkham qui ont l'air de très bien s'entendre! Incroyable! On va suivre ce qu'il va faire, Arkham! Hein. Trop de nouveaux! Ah oui, il y en a pas mal! Après, il y en a qui sont arrivés aussi en mi-saison, donc c'est un peu particulier.
Je sais que Doksu, il avait fait peu de Grand Prix, je crois, si je me trompe pas. Ah, il fait la même technique que son compatriote. Beau geste, en effet, beau geste, hein, beau geste. Bah, ça veut dire en tout cas que. En tout cas, pour le début de la saison, pour l'instant, il n'y a pas de leader, il y a une équipe. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Moi, tout ce qu'on veut, c'est voir une équipe, du fair play entre les deux pilotes. Et là, Doksu et Arkham, pour l'instant, qui sont aux deux extrémités du classement. On va voir ce qu'ils vont faire. Ils sont chauds, nous dit Joe89. Bienvenue sur le chat, Joe89. Ça n'a pas encore fait à rejoindre le Discord de la BMW. C'est très simple pour rejoindre le Discord de la BMW, bien sûr. Point d'exclamation VMV, bien sûr, pour avoir le lien, pour rejoindre un des plus beaux Discord de Formule 1. Et incroyable, c'est le doublé pour l'instant. Le doublé d'AlphaTauri. Là, tout le monde s'est mis en soft. Tout le monde s'est mis en soft. Ouh, on ne croit plus du tout en médium. Parce que pour l'instant, le meilleur... comment dire, les meilleurs tours, il y en a qui sont faits en médium. Mais là, tout le monde a pris les softs. Incroyable. Oh, les pépites, oui, non, mais c'est. Là, on est sur un level. C'est beau parce qu'on voit Asmon et Shipper toujours ensemble, mais au fond du classement pour l'instant. J'espère que ça changera. Et pour l'instant, les Ferrari et les AlphaTauri qui sont très très bien positionnés. Hein. On parle des AlphaTauri, mais les Ferrari, là, le Kilometer chez Demeta, qui sont là, qui sont très clairement là. Et quand on voit pour l'instant le classement, Doksu, Arkham, le Kilometer chez Demeta, on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais bon. Il y a des gens qui se sont qualifiés en médium. Là, le deuxième run va être très très important. Clairement, on a clairement quelque chose. Là, le top 10 est assez exotique, on va dire. Et Shipper, faut pas qu'il rate ce run parce que sinon il va devoir faire un run très très sécurisé pour le troisième. Et on sait que le troisième c'est souvent celui où tu tentes un peu tout. Hein. Où est Varkir qui se hisse à la quatrième position qui divise les deux Ferrari. Et Shipper, regardez-moi! Shipper, tel un maître, tel un double champion du monde. Et Doksu! Qui nous remet une petite couche, une 41.8. Oh là 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 là, mais... Qui va l'arrêter? Qui va l'arrêter? Et Shipper qui arrive tout doucement sur la ligne d'arrivée. Il va pouvoir faire un troisième run. Il est entouré de. D'une Williams et d'une Alpine sur la piste. Y'a pas de casse-ligue, mais non, pas encore, Ghost. Et Shipper, troisième place pour Shipper. Et directement, c'est une Williams derrière lui. C'est qui? C'est Acta. Et oui, c'est Acta. Acta en 7ème position. Très bien joué pour Acta. Choupi, il fait un tour de sortie, Choupi. Tour de sortie. Une Aston Martin, on est sur Wears ou on est sur Drix? On est sur Drix, pourquoi pas, une seconde. Attention à ne pas couper, Drix, attention. 9ème position pour Drix, très bien joué de la part de Drix, bravo. Les deux McLaren, je veux dire. Et on a Asmod qui va commencer son tour. Est-ce que Xanfan veut lui donner de l'aspiration? C'est la question que tous les Français se posent. Je ne pense pas. Je pense qu'ils font tous les deux leur tour, à mon avis. Ouais, clairement, il est beaucoup trop loin. Ou s'ils le font... Ah non, ils le font. Ah, on voit la différence entre McLaren et AlphaTauri, hein. Ah oui, on voit la différence. On voit que... C'est beaucoup... Oh là là, c'est beaucoup moins bien maîtrisé de la part de McLaren. Et c'était très très proche pour... attention, hein, Asmod, attention. Et pour l'instant, on va être vers les derniers runs. Hein, parce qu'on sait que bah, là, si les gens qui finissent,
Bah, ça va être compliqué pour faire un tour de sortie, faire un retour, un tour d'entrée. Donc, c'est vrai qu'il faut faire 3 runs à Aspa. Faut être égoïste presque, hein, parce que c'est vrai que si tu veux aider ton coéquipier, lui qui t'aide, tu ne fais que 2 runs. Pour l'instant, les AlphaTauri qui sont, mais Gucci, hein. Et 1 seconde 8 pour l'instant qu'ils doivent récupérer. C'est pas mal, mais pas encore assez. Pas encore assez Asmode. J'espère qu'il va encore récupérer, parce que là, sinon, il n'est pas très très bien classé encore, hein, Asmode. Va falloir faire mieux, va falloir faire mieux, mon grand. Je sais que tu peux le faire, Asmode. Allez, une sixième place pour Asmode, une sixième. Oh non, la accélération hasardeuse. Ah, 17e, hein, 17e. Ah là là, aïe. Et c'est Wers, incroyable Wers, qui nous offre une troisième place de gala. Lukinovic. Deuxième Lukinovic, la Ferrari, qu'il se place entre les deux AlphaTauri. Steph, qui nous fait plus 6 secondes pour l'instant. Choupi. Choupi, est-ce qu'il nous fait un bon temps, Choupi? On va voir ça. Peut-être Asmode ou Maïten. Ouais, il est devant, je crois. Incroyable, incroyable. Il est juste là, il est juste là. On va d'abord voir Maïtavern. En Ligue B, pour l'instant, le meilleur temps est de 1,42,9. Ah, c'est 1 seconde, hein. C'est 1 seconde, hein. C'est beaucoup. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais là, Doksu, il nous a déchiré pour l'instant avec son temps. Je pense qu'il a mis un marteau sur la concurrence. On va voir ce que va faire Maïtavern. Mir, on va l'appeler Mir, on va l'appeler Mir. Quand ça me saoule son pseudo. Allez, Mir, qu'est-ce qu'il va nous faire? 19e, 19e. Et Choupi, qui va pourquoi pas prendre quelques places. 8e place de la part de Choupi. À seulement 1 millième devant Demeta. Incroyable, incroyable, incroyable. On va voir ce que fait Arkham. 1 dixième d'Arkham. Arkham qui peut pourquoi pas reprendre sa deuxième place. La pole position, ça va être compliqué, mais pourquoi pas la deuxième place? Ah, l'IA qui a l'air relevé cette année. Est-ce qu'on va avoir plus que 7 pilotes différents qui gagnent? Oh, ça serait ouf, ça serait ouf. Arkham, attention Arkham. Et c'est la deuxième place pour Arkham. Incroyable. Wers qui a annulé, dommage. Lukulovic qui ne va pas refaire de tour. Et pour l'instant, c'est Varkir. Varkir, qu'est-ce que va faire Varkir? Mais attends, on va peut-être regarder aussi les autres. Et c'est Shipper qui vient de faire pas d'amélioration. On a peut-être Demeta aussi, Demeta qui va finir, Demeta. Cinquième position pour Demeta. Oh là là, est-ce qu'il y a des reines qui vont finir? Est-ce qu'il y a des reines qui vont pourquoi... Oh non! Oh Choupi! Choupi le crash! Choupi le crash! Oh là là, attention de ne pas annuler son tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui va arriver là? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une... Attention, oula, attention à Choupi. Pas faire de bêtises. Varkir. Varkir qui a 4 dixièmes d'avance. 4 dixièmes d'avance, c'est 1,42,6. Ça pourrait le faire à la 5e position. 5e position pour l'instant, Varkir. Ah, c'est. Il est là, il est là, il est présent, il est présent. Directement Varkir, pourquoi pas un top 5, pourquoi pas un top 5? Et c'est GNTK, GNTK qui prend la 6ème place. Attention Varkir, Varkir qui va finir une très très belle réaccélération. Et c'est la 5ème place pour Varkir, il a très très bien joué Varkir. On a qui d'autre? On a Shipper qui va finir, Shipper. Mais avant Shipper, il y a bien sûr Tex. Tex qui est en 17ème position, qui a annulé son tour. C'est fini pour Tex, Tex qui va faire un très très, une très très mauvaise position. Incroyable, enfin incroyable, non, terrible pour Tex. Et Shipper qui lui, clairement, est en passe, pourquoi pas, s'il gagne 2 sixièmes, pourquoi pas nous reprendre cette 5ème place qu'il avait gagnée, pourquoi pas, et il va même prendre la 4ème position, à seulement 4 centièmes de Lukinovic.
Ether 0 qui ne va pas non plus améliorer. Et on a notre grille de départ. Doxu, Arkham, Lukinovil, Shipper, Wears, Varkir, Demeta, NTK, Steph, Chupi, Buzam, Arcta, Drix, Xanfan, Zik, Rotter 0, Tex, Asmod, Mir et Descaz, Mike. Incroyable. Cette grille de départ, nous, il y a plein de surprises. Il y a plein de surprises et c'est incroyable. Moi, j'avais hâte de reprendre. Et là, je suis comblé. Alpha Touri et l'écurie championne sortante, ils ont fait un recrutement de qualité. Doxu et Arkham, des génies à mon avis, des petits génies, des petites pépites comme on aime les appeler. Ils sont là pour présenter la firme Alpha Touri. Et écoutez, on va aller interviewer bien sûr le petit Doxu. On va aller vous chercher. Peut-être pas. Ah, attendez. Attendez. Hop. Le petit Doxu. Il est où le petit Doxu? Doxu. Il y a beaucoup trop de channels. Merci. Ah, mais. Mais je m'en fous des messages non lus! On va être calé! Doxu, il est où Doxu? Je l'ai perdu! Pitié! Je peux pas le déplacer vers. Ah si, là je commence à aller. Bonjour, bonsoir Doxu! Bonsoir! Alors bon. On a eu des éloges la saison dernière. On a dit, mec, tu t'entraînes. Et pourquoi pas le championnat la saison prochaine? Ah ouais, j'avais dit que j'étais là. Hein. Ah, je. Écoute, tu nous as un petit peu. Pas surpris, je dirais, mais je veux dire. Tu nous as fait plaisir. Tu nous as fait plaisir avec ton tour de folie. Alors, je veux dire, quel a été ton secret pour sortir ce tour-là? Bah, en soi, pas trop de secret, juste un peu d'entraînement. Mais je suis un peu déçu de mon tour quand même, parce que je pensais faire beaucoup mieux. Enfin, je suis assez loin de mes chronos habituels. Mais je tiens surtout à souligner la performance d'Arkham. Hein. Franchement, c'est un gros crack, il fait P2 alors que la qualif c'est pas son point fort du tout. Du coup, on fait 1 et 2 là, AlphaTauri, ça part plutôt bien. Donc bah, j'espère du bon pour la course. Hein. Et je veux dire, Franstot, qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous deux là? Qu'est-ce qu'il vous a dit niveau stratégie? On va voir, hein. En fonction de la course, les safety cars, tout ça, on sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'il vous a, comment dire, est-ce qu'il a accepté le combat entre vous deux déjà aussi? On verra. Ah, pour l'instant, on verra sur la piste et on verra qui gagne, quoi. C'est ça. Très bien. On verra les événements. Incroyable. Bah écoute, merci beaucoup, Doxu. Mais écoute, je t'ai mis, même avant la qualification, on a fait un top 3. J'ai dit Doxu, Varkir, Shipper pour la fin du championnat. On verra bien sûr, mais en tout cas, j'espère pour toi que tu feras un très très beau Grand Prix avec ton équipier. Dis-lui bravo de ma part aussi, très très beau, très très belle qualification de votre part. Et écoutez, bravo à vous deux, je te remets dans ta loge, bien sûr. Ciao. Incroyable, il nous a fait vraiment plaisir, ce petit Doxu, il nous a fait plaisir. On va quand même, je veux dire, alors, oula, j'ai pas vu tout ce que vous avez dit. Attendez, oh là là. Alors, le champion en titre Alors, le champion en titre dans le mal, les pépitatés au rendez-vous, les gros comme Tex, Varkir, Asmon, Buzam ont du mal à démarrer. Quelle saison qui commence, en effet. Let's go, mon mate, nous dit Arkham. C'est en ce que ça, les popotes d'AlphaTauri sont des triadins tous les jours, ils s'entraînent. Ah, il faut ça. Hein. Bande de gros BG, Eternal Fire, avec des gros cracks, incroyable. En tout cas, beaucoup de félicitations dans tout le paddock. Alors, on sait reconnaître des très très gros joueurs. Hop. Et sinon, c'est alors bien sûr, comment dire, c'est temps dégagé. Pour cette course-là, il n'y aura pas de pluie, bien sûr. Et on va faire quelques petites annonces. Voilà. Donc, déjà, comme vous voyez, je suis tout seul.
tout seul, ça veut dire qu'il manque au moins une personne. Donc si vous êtes intéressé, bien sûr, pour rejoindre l'équipe de Caster PC Liga, pour être mon co-caster, eh bien vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu pour bien sûr caster avec moi. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou à aller voir les responsables Liga ou Bouzam ou El Capeto ou Firma, voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Voilà, il y a eu des cracks comme Thomaser, des cracks comme Asmode, des cracks comme Overlake, des cracks comme Cornetto, on s'en souvient des. Et j'en passe, il y en a plein que j'ai oublié. Mais je veux dire. Voilà, l'équipe de Caster Liga à mes côtés, c'est une équipe qui a du potentiel toujours, hein, une équipe qui a une élite, je dirais même une élite. Voilà. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir ou à venir voir un membre du staff pour dire que vous êtes intéressé. Et on vous accueillera avec plaisir. Si vous n'avez jamais casté, ce n'est pas grave. Il y a plein de gens qui n'ont jamais casté, qui ont casté avec moi. Ce n'est pas un problème. Où on est là pour apprendre tous ensemble, et moi j'en ai plein de choses à apprendre aussi. Et d'ailleurs aussi la Ligue B cherche aussi un caster, voilà. Donc si vous sentez bien sûr qu'il y a trop de prestance à mes côtés, bah, vous pouvez caster directement à la Ligue B. Il cherche aussi un caster, voilà. Donc si vous voulez bien sûr nous rejoindre pour l'équipe de cast de la VMV, vous êtes le bienvenu. C'est avec plaisir qu'on vous accueille, bien sûr, même pour si vous pouvez rejoindre nous en tant que caster, mais en tant que pilote, même en tant que voilà, néophyte Formule 1. Venez bien sûr, parce que voilà, à chaque Grand Prix, bien sûr, le chat barre des pilotes est rempli de fans et même comment dire, la hop, j'y arrivais, je veux dire, la commu VMV est vraiment très très cool et saura à mon avis vous voilà, hop hop, non pas ça que je voulais faire, hop hop, ouais, non pas ça non plus, voilà. Et la commune VMV saura je pense vous satisfaire. Moi elle me satisfait depuis 2 ans et ça fait non, 1 an, deux ans, oui 2 ans, 2 ans je crois, j'aime plus, je sais même plus, je sais plus si c'est 1 ou 2 ans. De 2 ans, je crois. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça me fait toujours plaisir et ça fait toujours plaisir de reprendre ces casts. Vraiment, ça faisait 2 semaines, ça faisait bien une petite pause, ça faisait bien. Un petit dimanche soir, on pouvait se dire, oh, j'ai rien à faire. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de reprendre bien sûr le cast. Et bah, les pilotes me le rendent bien parce que waouh, incroyable, hein, incroyable pour l'instant. Et à noter, Bouzam, Axa, Drix, Xanfan et Zi. Xro, les X partent en médium. Comment ça traîne ce soir en Ligue B? Il était 18, 2 ans déjà, 2 ans déjà, ouais, 2 ans déjà. Incroyable. Ça passe vite, ça passe vite. Mais en tout cas, clairement, là, on a du très très. Putain, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Pour l'instant, on a du très très lourd et c'est très très beau ce qu'il y a ici. Allez dans le chat, un top 3. Un top 3 à la fin du Grand Prix, top 3 bien sûr. Dites-nous pour vous le top 3. Pour moi, je pense que ça va faire un Doksu Shipper Lokinovic. Je pense qu'il va se passer quelque chose avec Akam. Je sais pas pourquoi. Doksu Shipper Lokinovic. Mais je pense qu'Akam il va être tête 4. Je vois un gros changement dans le top 4. À voir après avec les safety cars bien sûr. Hein, mais peut-être pas un gros changement. Doksu Arkham Varkir. Ouh! Plutôt qui voit que Varkir pourrait titiller le top 3. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Les pilotes qui se mettent sur la piste, sur la ligne de départ, bien sûr. Tension, la tension est palpable. Premier départ, vous êtes là, vous êtes présent pour ce départ de la saison
2022, et c'est parti! Les 20 pilotes sont partis dans ce circuit de Spa. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a mal démarré, peut-être. En tout cas, les AlphaTauri, eux, ont très bien démarré. Incroyable départ de la part de Doksu Arkham. Voilà, il y a un peu de casse. Il n'y a aucune casse pour l'instant. En tout cas, aucune grosse casse. Incroyable, on va aller voir. On est sur Xanfan pour l'instant qui est en roue avec ce. Oula, avec Zir. Avec Zero. Et il va directement reprendre, pourquoi pas sa place. Incroyable avec l'aspiration. Est-ce que ça va suffire? Xanfan sur Zero. Ouh, c'était très très proche. Attention à l'aileron. Oh là! Oh, Choupi! Choupi qui a cassé! Choupi qui a cassé peut-être! Oh non, oh là là, oui, Choupi qui a dû casser! Choupi qui a cassé un aileron en effet! Choupi qui a cassé son aileron en qualification et en course. Terrible, terribles images. En tout cas pour l'instant, oula, c'est le bordel, c'est le bordel. Varkir qui a dû toucher ou pas? Non, non, c'est bon. Oh, Shipper! Shipper Varkir! On est bien sûr dans le onboard de GNTK là. Oh, c'est chaud, c'est très très chaud. Shipper et Varkir qui se sont donnés. On a Doksu, Shipper, Varkir. Varkir, c'est le GOAT. Oh là! Oh non! Oh non! Oh non! GNTK qui abandonne! Oh non! Descaz Mike! Voiture de sécurité. Aïe 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 aïe! Et Shipper les stands. Aïe 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 aïe! Terrible! Descaz Mike et GNTK! Mais qui c'est qui avait. J'ai pas vu. C'est Shipper qui était sorti un peu large, non? Je crois que c'est Shipper qui s'est sorti un peu large et qui a un petit peu fait dévier GNTK et là c'est directement dans le mur quoi. C'est Shipper qui s'est perdu sa première place, qui a fait sa première place, ouais, c'est ça, ouais, voilà. Ah, j'ai regardé le classement et là tout d'un coup j'ai vu une voiture un peu en PS, j'ai vu Shipper et là GNTK, voilà! Dans le mur! Quel dommage! Quel dommage! Shipper là qui. Est-ce qu'il a fait le bon choix de s'arrêter? À voir, à voir. Voilà, Descaz Mike et GNTK qui ne vont fait que un tour. Désolé si le truc bug. Hop, je fais le plus vite possible. On se met directement sur le canal comme ça. Hop, il n'y a rien. Oh non! Oh, pitié, pitié, pitié! C'est bon. Et Choupi, en tout cas, lui, il est content parce qu'il va pouvoir reprendre le pack. Je peux pas du caster, bien sûr. Et déjà, deux abandons pour aujourd'hui. Déjà, un premier tour. Ah, c'est terrible, hein, c'est terrible. Premier tour, déjà deux abandons. Un dixième du peloton est déjà mort. J'espère que ça ne va pas aller aussi vite. Et là, attention, parce que là, les pneus se refroidissent. Les pneus se refroidissent, donc attention, on a bien les chauffer. Plus le tour est long, hein. Le tour est très très long à Spa. Un tour safety car, c'est un tour et demi pour d'autres circuits, hein. Est-ce que la voiture de sécurité va rentrer sur son tour-ci? Ah non, c'est deux tours minimum. Allez, deux tours minimum sur un safety car, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Et là, Choupi, il aurait même à. Pourquoi pas. S'arrêter, quoi. Il aurait même pourquoi pas s'arrêter. Pour mettre des médiums. Là, je Choupi, je m'arrête pour mettre des médiums, hein. Ouzem qui est déjà P7 en médium, il finit à P4, vous l'avez vu ici en premier. On va voir directement. Non, pas ça que je veux voir. Qu'est-ce que je voulais voir? Non! Attends, je vais voir un truc.
Qu'est-ce que je vais voir? On va y arriver. Bah, changement de position. Changement de position. Pour l'instant, c'est Tess qui en a gagné le plus avec, avec Asmode et Emir. Drix, 5 places de gagner aussi. Et ouais, Bouzam, hein, 4ème bien sûr. Bouzam, incroyable. Hein, incroyable Bouzam. Voilà. C'est très très beau. Hein. Très très beau ce qu'il fait. Bouzam avec Drix et Acta. Easy et Easy. Zero. Est-ce qu'on aurait peut-être pourquoi potentiellement un Bouzam? Après, je me dis que là, ça va dépendre de la prochaine safety car. Parce que je pense qu'il va y avoir une autre safety car, à mon avis. Mais ça va dépendre de quand elle va être. Si elle va être pour les médiums ou pour les softs. Et incroyable, et c'est le Doudaon qui s'est abonné pour son 6ème mois d'abonnement. Le Doudaon, il est là directement pour vous présenter. C'est beau, c'est le 5ème abonnement de la soirée. Ça fait plaisir bien sûr. Merci beaucoup de votre soutien. Exceptionnel. Oh quoi? Oh non. Oh Zero! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui? Oh là 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 là, il y a eu des dégâts! Est-ce que quelqu'un a eu des dégâts? Il n'y a pas l'air. Ah, dommage que j'ai pas quelqu'un avec la télémétrie là parce que. Ça a l'air d'aller niveau aileron. Hein. Ça a l'air d'aller niveau aileron. Hein. Oh terrible! Personne n'a pris 5 secondes pour ça. Là Zero à mon avis il a juste pas. Il a juste oublié de freiner en fait. Oh Doxou il est très très rapide. Allez c'est reparti pour Doxou, c'est reparti directement. Et ça se décale, ça se décale. Et ça pour l'instant ça va. Ah, je pense qu'il a. Il a clairement. Il est rentré dans quelqu'un et puis après la voiture elle a fait un petit switch vers la droite quoi. Voilà, hein. Bouzam un peu en difficulté avec les médiums. Ah, il a peut-être pas réussi à les chauffer. Et 3 secondes de pénalité pour des méta. BAM! Il passe à la caisse directement. Oula! Non, Bouzam! Ouh, Bouzam qui réussit à récupérer sa voiture. Oh là là. Oh, Bouzam qui a réussi à récupérer sa voiture très très bien et qui a même potentiellement reprendre sa position. Ça va être compliqué, ça va être compliqué, c'est pas grave. Il a perdu sa voiture, il a perdu une position, pas trop grave. Le plus chiant c'est qu'il a beaucoup perdu de temps. 2 secondes de perdu. Driss qui a 2 secondes de retard sur Steph. Et là c'est Tex avec ses softs. Ah oui, hein, ils ont tous des softs, donc là par rapport au médium, ça va être beaucoup plus facile. Et là Acta, oh là là, Acta, les médiums qui n'ont pas. Oh là là! Oh les médiums, oh là là, oh je sens la dinguerie. Oh là là, je sens la dinguerie, les deux As qui se chamaillent. Ah les médiums qui sont pas du tout frais. Enfin si, hein. C'est qu'à le dire. Allez les médiums qui sont pas du tout chauffés mais hein. Ah le premier tour ça devait être compliqué le raiding en ma vie hein. Je pense que tous les médiums ont pris un investissement. Et voilà ce qui ressort très très bien par rapport à Lekinovic. Et on est Shipper, bah Shipper est double. Shipper est double clairement. Oh et attention parce que Mir il ressort beaucoup mieux. Il ressort mieux Mir. Ah non non, Shipper qui est mieux. Shipper qui est clairement mieux. Et là, c'est le DRS qui ne sera pas disponible encore ce tour-ci. Mais il sera tout, disponible au tour prochain.
Emir qui est juste derrière Shipper là. Ok, il a freiné très très rare. Hein. Oh là, oh là, oh là là. Oh là là, Toupi, Xanfan. Oh, Toupi, Xanfan qui sort un peu large. C'est compliqué pour les McLaren, c'est compliqué pour les McLaren. Asmod, l'autre McLaren. On va voir ce qu'il fait. Là, il y a Tex et... qui n'arrive toujours pas à doubler Acta. Acta qui va vraiment bouchon sur Tex. Là, il a 2 secondes de retard, Acta. Alors que Driss, lui, arrive à rattraper un petit peu son retard sur Tef. Lui, en tout cas, Acta qui n'arrive plus du tout à reprendre son retard sur, sur Bouza, mais même qui accroît son retard. Hein. Là, Tex est en train de perdre très très gros derrière Acta. C'est la zone aussi, hein. Asmon qui se fait pourchasser par son ancien coéquipier Shipper et Terre Zero. Voilà, Terre Zero, est-ce qu'il va tenter ici? DRS activé, DRS activé. Et Asmon qui sort un peu large. Oh, pour l'accélération. Ça, il a très bien joué pour l'instant. Et bon, attention parce que la détection, elle est juste après dans la descente. Oh, Asmod qui va perdre 2 places. Et oui, Asmod qui perd 2 places en un virage. Par contre... Oh non! Oh là, oh là là. Attends, mais c'est Acta? Et oui, c'est Acta! Acta dans le rayon! Il n'y a plus l'aileron, il n'y a plus l'aileron Acta. Ah, on l'avait vu, hein. Il était... Oh non! Oh, Toupi! Oh non! Allez, on cassait pour Choupi. Oui, Xanfan ne pouvait rien faire. Le retour en piste était ignoble. Le retour en piste était ignoble de Choupi. Aïe, 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 aïe. Et derrière, là, on a une belle bataille pour la deuxième place. Arkham qui a lâché Doxu. Oh non, Xanfan, 3 secondes de pénalité. Oh, c'est qui? Oh non, c'est Asmod. Oh non, Asmod dans le mur. Oh, c'est très très grave. Hein. C'est très très grave ce qui se passe. Oh, les McLaren. On a l'impression de voir les McLaren cette année. 14e et 16e. Oh là là. Est-ce que la responsabilité de l'écurie sur Asmod lui fait perdre un peu tous ses moyens? Et Arkham qui va au stand. Arkham qui va au stand pour changer ses médiums. Stratégie décalée chez AlphaTauri. Est-ce que 5 tours serait avec les pneus qualification? Ouais, c'est. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Son Wears à 3 dixièmes de Lokinovic. Est-ce qu'il va réussir? Pourquoi pas? À doubler la Ferrari. Et c'est très facilement qu'il a double. Bouzam, Sorix, non. Terre Zero, lui qui double Tex. Et Tex qui est doublé par son coéquipier Shipper. Oula! Oh là là, oh là là. Attention à ne pas faire de dinguerie. Terre Zero, très bien joué de sa part, Terre Zero. On est sur Xanfan, on suit Xanfan aussi. Oula, Mir, petit travers. Varkia, 3 secondes de pénalité. Attention, 3 secondes, ça peut aller très très vite. Oh, des méta juste derrière Mir. Oh, et c'est fait pour des méta. Très très bon dépassement. Maintenant, faut filer. Est-ce que Xanfan va pouvoir potentiellement doubler Mir avant la ligne de départ arrivée? Ah, Mir qui est en très grande difficulté. Et stand pour Doxu. Doxu au stand. Varkir au stand aussi. Et Shipper qui fait le meilleur temps avec ses médiums. Attention. Attention.
Oh, y a Arkham qui double Xanfan avec ses médiums neufs. Allez, sauf qu'il commence à peut-être un petit peu à être compliqué. On voit son coéquipier qui sort juste devant lui. Duxu. Oh, qui va avoir le DRS sur des méta. Oh, c'est parfait, hein. Là, c'est parfait. Ils sont sortis. Oh, de la manière la plus. Ouais, c'est des méta qui ne cherchent même pas à chercher. Ils cherchent même pas à chercher. Merci, Flo. Merci. En Ligue B, tour 7, ils ne sont plus que 11. Aïe! Et c'est combien au départ? 20 aussi? Ouais, incroyable, Arkham qui utilise même cette technique en course. On va aller suivre Drix sur Bouzam qui a pris 3 secondes de pénalité. 18 au départ. Ah. Aïe. Après avoir les circonstances des abandons, quoi, mais. Coup dur. Coup dur pour la Ligue B. Drix qui essaie de se rapprocher de Bouzam, tant bien que mal. Et le Kinovich dans les stands, le Kinovich dans les stands. On va voir où est-ce qu'il sort. On va voir si le stand est bon. Très bel arrêt au stand de la part de Kinovich. Où est-ce qu'il va se ressortir? Ah ouais, c'est loin. C'est loin et en plus il va même pas avoir le DRS. Ah si, il va avoir le DRS. Mais par rapport à Arkane, c'est quand même pas mal loin. C'est quand même pas mal loin. J'ai cru voir une dinguerie. Bah, c'était Meta qui est en train de doubler Arkham. Et c'est Driss qui a redoublé Bouzam là. Les trois quarts, spin seul. Aïe, coup dur. Coup dur. Arkham. Je suis derrière des méta. Et pour l'instant, virtuellement, on a toujours Duxu devant Arkham, devant le Kinovich. Et Varkia qui vient de doubler Xanfan. Et Shipper qui se rapproche de Bouzam. Attention parce que là c'est un combat qui est très très important. Bouzam lui qui espère avec ses médiums aller le plus loin possible pour potentiellement avoir une safety car. Ether 0 au stand. Brontwers avec 9 tours sur ses médiums. Ça risque d'être compliqué. Duxu meilleur tour. Duxu meilleur tour. Ah, Duxu qui clairement. Si quelqu'un ne l'assassine pas. Va clairement gagner le Grand Prix. Ouais, Shipper là qui est. C'est du tout cuit. Hein. Ah, c'est du tout cuit pour Shipper. Ouais, non, oui, parce que Bouzam il double. Ah non. Oh là là. Ouh, c'était chaud. C'était très très chaud. Il n'a pas dit son dernier mot, Shipper. Attention, retour. Bouzam qui va ressortir un peu mieux. Et non. Shipper prend la troisième place. Et pour l'instant, c'est les Aston Martin qui prennent les devants. Virtuellement, bien sûr. Et pour l'instant, ils sont bien classés en écurie, hein. Aston Martin, après un peu Bluey, après c'est Aston AlphaTauri, après c'est Ferrari, ça, ils sont. Au devant, ils sont bien classés. Et ça paraît un peu compliqué, hein. Des méta, ça a l'air. Ça commence à être un peu compliqué, surtout par rapport à Lucky Luville, celui qui a des médiums neufs.
c'est pas la même sauce. Et Wears qui s'arrête enfin 9 tours sur ses softs, je pense que c'est un peu beaucoup. Je pense que c'est un peu beaucoup. Et on va voir où est-ce qu'il va ressortir Wears, mais ça va être compliqué à mon avis. Et Arkham, meilleur tour Arkham. Arkham, voilà, les Alpha Touré qui nous régale. Et merci beaucoup du follow, Guillaume Racing. Merci beaucoup du follow, Guillaume. Installe-toi confortablement sur ton siège et écoute ma douce voix suave. Avec tes 3 secondes. Oh non! Oh là. Ou Arkham qui a fermé la porte des méta. Ah, ça va pas lui plaire. Ça va pas lui plaire. Et j'ai peur qu'il y a 3 dixièmes de Drix. Voilà, attention ce qu'il y a là entre les deux Ferrari. Ils sont collés. Binotto qui, on le voit, commence à trembler. Est-ce qu'il va autoriser les combats entre les deux Ferrari? Oh, secteur 2. Secteur 2, Terre 0. Terre 0 dans le secteur 2, qui a dû, à mon avis, prendre le vibrant intérieur. Incroyable. Allez, Lukinovic. Ah, quand même qu'il y a un peu en difficulté quand même. Hein. On voit, il est bon, mais on voit quand même que c'est pas très fluide quoi. Et par contre là, on va voir Shipper qui a peut-être pour reprendre les rênes de ce Grand Prix. Attention, Shipper. Et c'est fait tranquillement. Oh là là, et Lukinovic, pourquoi pas? Oh, Lukinovic qui a réussi à doubler son coéquipier des méta, mais pas Arkham. Ah là, les Ferrari sont déchaînés. Choppy qui double Mir. Est-ce que Lukinovic va avoir assez de ressources pour doubler Arkham? Là, il y a une belle bataille entre les Ferrari et les AlphaTauri. Mais avec 9 tours déjà sur ces médiums des méta, ça va être compliqué pour finir. Alors, à mon avis, là, il va jusqu'à la fin. Oh non! Et c'est Acta. Acta qui va nous donner Rédéon. Est-ce qu'il va y avoir un safety car? Est-ce qu'il va y avoir un safety car? Voiture sécurité, incroyable. Shipper qui est sauvé. Oh là 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 là, incroyable. Shipper qui va revenir, et même pareil pour Shipper, Drix et Bouzam. Et des méta aussi, hein. Des méta qui, à mon avis, oh, Duxu, certes aussi. Pourquoi? Pour mettre des softs. Qu'est-ce que va faire Duxu? Il va remettre des médiums neufs. Incroyable. Incroyable. Résion à la con. MB, bonne chance au reste des concurrents. T'as été très très bon. Alors là, on a plusieurs choix. On a même. Oh là, on a des softs. Ça paraît beaucoup des softs, non? Pour. S'il va faire 2 tours max, ou 15ème tour. Ouais, 7 tours. Ouais, c'est chaud. Alors là, la voiture de sécurité qui a tout. Tout mis de travers. Tout mis de travers. Là, il y a tout le monde qui a commencé à faire un peu des trucs. Beaucoup de gens se sont mis en soft. Et on a Duxu qui s'est mis en médium.
pense que Duxu est une bonne idée. Je pense que Duxu est une bonne idée de se mettre en médium parce que c'est vrai qu'à la fin de la course, il va les bouffer. Écoutez, on refait un pari. Le top 3. Oh bah. Ah bah mes aïeux. Bah on refait. On revient. D'accord, on va. F1 qui a essayé de cracher. Le principal c'est qu'il joue toujours en live. Ah le crash. Le crash directement. Ah et quand j'ai vu le petit freeze, j'ai fait. Oh non, pas de blue screen. Ça. C'est que le jeu qui a crash. Bon, moi ça va me permettre de. Hein, ok. Alors. Hop. Est-ce que Shipper rejoint la partie? Les aléas du direct. Ouais. Rejoindre en tant que spectateur à la session, bien sûr. Ok. Les aléas du direct, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Oula. Ok. Ok, bon. Alors. Tarzan n'est pas du tout premier. C'est Wears. On va attendre que le prochain secteur, là. C'est reparti bien sûr. C'était pour la SC en plus, donc ça encore moins grave. Oui, c'est vrai. Et ça, là je suis en train de voir les pubs que Twitch met. Il les met à des endroits vraiment stratégiques avant la course et pendant le safety car. Donc, ouais. On a de la chance, on a de la chance. Oui, non, oui, ça. Ça, mais non, c'est faut. C'est. T'as le bon état d'esprit. J'essaie de l'avoir aussi au maximum. Voir le bon côté des choses. C'est beau, très très beau. Vous verrez si vous voyez le bon côté des choses à chaque fois. Je peux vous jurer que. Vous allez moins déprimer et que les gens autour de vous seront beaucoup plus heureux. Eh ben écoutez. Je sais que j'ai une habitude, c'est souvent quand quelqu'un me dit un compliment, je dis encore un plus gros. À chaque fois, j'en rigole après. Mais c'est beau. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Là, en top 3, maintenant, je dirais que Shipper a potentiellement la possibilité de gagner la course. Mais Doxu. Ouais, Duxu Shipper. Je sais pas là, je sais pas trop. Duxu Shipper, Drix, ouais, je sais pas, ouais, un petit ça. Après, le Kinovich est très très fort aussi, hein, donc. Duxu Shipper, Drix, allez, on essaye. Il y a peut-être un Lokinovich en 4ème place. C'est la position de Gary. Merci, merci. Gary, 45 ans, donne des leçons. Ah, je suis pas aussi expérimenté que Brady. Hein. Et c'est reparti pour Wears. Et attention, très très mauvais départ pour Steph. Steph qui a très très mal démarré. Je suis peur qu'il a peut-être repoussé dès le premier virage. Attention, freinage. Et Steph, est-ce qu'il va décroiser? Non, même pas.
J'espère qu'il prend déjà une place, une position déjà pour lui. Ouais, Doksu qui est déjà très très chaud. Oh, Doksu qui est déjà très très proche de Buzam. Attention, est-ce qu'il va réussir à pourquoi pas prendre l'aspiration? Oula, j'ai eu peur d'un coup. Je me suis demandé pourquoi il sortait aussi large. Attention, il est plus rapide que Buzam. Il est plus rapide que Buzam. Buzam qui défend. Oh, attention, attention, c'est très très chaud entre tout le monde là. Deux tours avant le DRS. Tiens, 0,3 secondes, et là on sait que bah, les gens qui ont 3 secondes, Wers, Buzam, Vakir, Demetak, Zanfan, Terre 0, ça va leur porter beaucoup de préjudice là. Voilà, Drix directement sur Steph. Oh là là, du gauche droite. Oh non! Oh non, Drix! Oh, terrible, terrible pour Aston Martin qui perd tout. Et c'est quand même une place de gagner pour tous nos pilotes. On verra qui a eu raison, qui a eu tort. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Buzam! Oh non, Buzam! Beaucoup trop loin, terrible! Oh là là, il perd tout, Buzam! Non! Oh, il a mis la pression, il a mis la pression! Ouais, Doksu, patiente un petit peu, Doksu, sois patient, mon grand! Oh là là, attention! Et devant, c'est Schiffer qui double Wears. Quoi? Un 3 de fond! Oh là là! Oh non, oh non! Oh là 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 là, je crois qu'Arkham n'a plus d'aileron. Oui, Arkham n'a plus d'aileron! Oh non! Le Kilovic et Drix! Ah, le 3 de fond était terrible, hein. Oh non, 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 terrible. Et oui, Arkham, là, va falloir se pousser. Va falloir se pousser, mon grand. Aïe, 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 aïe. Terrible pour Arkham. Il ne mérite tellement pas ça. Et est-ce que Doksu a cassé son aileron sur Steph? Bah, pas en tout cas, visiblement. C'est pas possible. Ah ouais, c'est... Là, c'est terrible hein, ce qui se passe. Azon qui double Mir. Et en tout cas, Doksu qui n'arrive pas non plus à rattraper... Wears, après, il sait qu'il est au minimum déjà deuxième. Ouais, après, ils se rapprochent. Ils sont à... Le DRS activé. Et Wears qui a le DRS. Wears qui a le DRS. Oh, Buzam. Oh, attention! Bref, à la réaccélération de Xanfan, qui a perdu deux places. Et Buzam qui revient, hein. Buzam qui revient après son erreur. Hein. Buzam a fait une erreur, mais il revient. Attention, sur Terre 0, il est beaucoup plus rapide. Attention, c'est qu'il est... Il peut freiner fort. Attention, les irons. Et c'est fait sur Terre 0. Et c'est tellement bien fait sur Terre 0. Septième place pour Buzam. Et Doksu et Wears qui sont dans les mêmes temps. Mais attention, parce que là, on sait que... Les softs peuvent très très vite tomber en rade. Attention, Drix, 3 secondes. Asmode, 3 secondes. Beaucoup de secondes. Hein. Buzam, à 2 dixièmes de Tex.
avec des softs. Ah, Bouzam, est-ce qu'il va faire ça dans son erreur? Attention, il a connu cette erreur maintenant, c'est bon, il ferait plus tôt. Il a fait une fois l'erreur, il la fera pas deux. Allez, les deux McLaren juste derrière, aux portes des points. Enfin, du top 10, je veux dire. Il y en a un qui est dedans, mais pas l'autre. Et tout doucement, Doksu qui se rapproche de Wers, hein. Doksu qui a gagné le DRS. Et Bouzam qui va sans doute faire qu'une bouchée de texte. Et c'est fait. C'est fait pour notre pilote Mercedes. Et Doksu à 4 dixièmes de Wers. Doksu, Wers en train de tout perdre. Wers en train de tout perdre. Il fait son pire tour. Ah ouais, est-ce qu'il a perdu une demi seconde sur Shipper? Est-ce que vous pensez que Doksu va rattraper Shipper? C'est la question que je pose au chat sans sondage parce que pas le temps. Yo Garek, comment ça va? Salut Thomaser, comment ça va toi? Attends, je vais te le faire. Comment ça prédiction? Non. Doksu fini premier. Point d'interrogation, oui non, vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour répondre si Doksu veut finir premier. 2 minutes, le sondage directement. Allez, j'étais rapide. Wouh ! Compliqué mais pas impossible. Et 2 secondes, 2 secondes. Doksu est à 2 secondes. Shipper a des softs depuis 6 tours. Attention, et là Doksu qui va doubler Wers. Ça va être fait. Attention maintenant, Doksu à 2 secondes. À 2 secondes de Shipper. Terre 0 Tex. On n'oublie pas les autres pilotes. Oh là là, 3 de fond. Oh Choupi. Est-ce qu'il va le faire? Oh non, 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 non. Je l'ai vu trop de fois aujourd'hui. Aïe, 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 problème en émission pour Xanfan. Problème pour Xanfan. L'aileron, on a dit, hein. L'aileron. Aïe, je l'ai vu trop de fois ça. Et Doksu qui rattrape, hein. Doksu qui rattrape, Doksu qui cravache. Ah, Xanfan, on a mis là un problème sur le fond plat ou je sais pas, mais il a un problème, Xanfan. Crevaison lente peut-être, hein, crevaison lente. Ah, c'est pas le week-end des McLaren en tout cas. Ouais, Tex, lui, il s'est fait doubler par deux voitures, il a vu les deux voitures se faire éclater. Il s'est dit, bon, bah, comme vous voulez, hein. Et on pense aussi à Steph, hein, Steph qui était dans un crash, qui revient peut-être dans le top 10, hein. Enfin, qui est dans le top 10? Oh, vous êtes sur des méta. Allez, les Mercedes, très très bien placé, Mercedes aussi, hein. Attention, Doksu, Doksu, on était au niveau prédiction, 6% oui, 94% non. 4 votants de toutes parts. Moi je dirais que oui, hein. Moi je dis que oui, hein. Moi je dis clairement que oui. Bouzam à 3 dixièmes. Est-ce qu'il va pouvoir doubler des méta maintenant? C'est fait, c'est fait. Les Mercedes sont 4 et 5 et Asmode qui double le Tex. Maintenant Asmode faut qu'il cravache, hein. Faut qu'il cravache pour être à moins de 3 secondes de Terre 0. Ah oh, non, je suis con, il a déjà aussi une PNT. Quel con. Bon, Tex, faut qu'il reste derrière Asmod alors. Une seconde 2 pour Doksu. Il n'a pas intérêt à déconner le con. J'ai mis 13K sur Shipper. Aïe aïe aïe.
Ah moi je dis clairement que Doksou va le doubler, hein. Je pense que les pneus de Shipper vont peut-être être un peu frileux dans le dernier tour. Et quand je dis ça, bien sûr, il gagne du temps, Shipper, hein. Il n'y a pas le DRS, il n'y a pas le DRS au tour-ci. Oh! Mire! Oh, mire dans les choux. Il n'arrive pas à se rapprocher aussi autant qu'il le voudrait chez Doksou. Doksou qui repère même du temps. Est-ce que Shipper, le champion du monde sortant, le double champion du monde sortant, nous ferait pas une très très belle manœuvre? J'ai mis 10K perso. Ah, dans les virages, on va dire, ça va être compliqué. Ouais, on les suivra dans le dernier tour. On les suivra dans le dernier tour. Il y a d'autres personnes à regarder pour l'instant. On va les suivre dans le dernier tour. J'ai envie de les regarder, mais là. Une seconde une! Doksou a une seconde une de Shipper! Une seconde! À chaque virage! Est-ce qu'il va avoir le DRS dans la ligne droite départ arrivé? Oula, c'est qui? Bouzav, non! Pas toi, Bouzav! Doksou à moins d'une seconde de Shipper! Attention! Doksou à moins d'une seconde, il a le DRS! Il a le DRS! Ça va être compliqué pour le doubler! Ça va être compliqué pour le doubler! Ah, il joue sécurité, il joue sécurité. Il a raison. Après un championnat, ça se gagne pas, bien sûr, sur une course. Ah, même avec le DRS, c'est compliqué, hein. C'est compliqué même avec le DRS. On va être en onboard avec lui. Ouh là 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 là, attention à ne pas faire la faute. Ah, on sent qu'il veut la victoire. On sent qu'il veut la victoire. On sent que la voiture sécurité lui a fait échapper cette victoire. Ah, on voit que les softs ils commencent à être compliqués. Est-ce que Doksou n'aurait pas été un peu trop prudent avec les médiums? Ah, on voit que les softs ça commence à faire mal, hein. On sent qu'un tour de plus et c'est fini pour Shipper, hein. On sent que le tour, là ce tour là c'est le tour où on se dit ah, allez tiens encore un petit peu. Oh, le dragon! Le dragon! Ah, il aurait fallu un tour de plus pour Doksou! Ah, il aurait fallu un tour de plus! Mais une course, ça se joue en 22 tours à Spa! Et Shipper, il a très très bien compris! Il a très très bien compris! Et c'est pour ça qu'il est double champion du monde! Shipper gagne ce premier Grand Prix! Incroyable! Troisième Wers! Oh, c'est beau, c'est beau. Varkir, oh, Bouzane, non! Oh non, Bouzane. Oh là 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 là. Varkir 4ème, Demeta 5ème, 6ème, Tex, Terre 0, 7ème, 8ème, Steph, Asmode 9ème, Drix 10ème, Choupi 11ème. Le malheureux Arkham qui aurait été beaucoup mieux. Et on va choisir bien sûr la réponse qui était bien sûr non. Dommage, dommage, dommage. Désolé à ceux qui avaient voté oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et incroyable. Incroyable. Bravo. Bravo. Tex, pilote du jour. Bravo aussi à lui. Bravo même à tous les pilotes, bravo, bravo.
Et on a la première victoire. Elle sera pour Shipper. Shipper, champion du monde sortant de la dernière saison, double champion du monde, nous a sa première victoire devant Doxu et Wears. Je crois bien. Top le casse, merci beaucoup. Domos, merci beaucoup les gars. Merci beaucoup les Capetto. Et merci beaucoup à vous d'avoir regardé, bien sûr. Très très belle victoire. Incroyable, incroyable. Belle première course. Alors attendez, je vais juste. Hop là. On va faire un petit truc là. Hop là. Paint, contrôle V. On sauvegarde sur son titre. On avait quitté Shipper vainqueur. Et on le retrouve bien sûr encore vainqueur ici. C'est incroyable. Il nous régale. Il nous régale seulement. Il nous régale bien sûr. Et on va le prendre bien sûr en interview avec le top 3. Et donc on va aller prendre Where's. Where's, where tu Where's. Where's bien sûr. Hop là, déplacer vers l'ange commentaire. Bonjour Where's, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, bonjour Where's, comment J'ai ça? peur. Ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Troisième place, très très belle course. Ouais, bah ouais, je suis content. Est-ce Apparemment, que... je méritais pas mieux ni et pas moins. Oui, je pense que c'est vrai que, comment dire, Shipper et Duxut, t'es quand même un niveau au-dessus, hein, on peut le dire, Ah oui, largement. Moi, je me suis pas traîné sur ce circuit. on peut dire que clairement c'était un niveau au-dessus, mais on, bah t'as évité la casse, t'as fait ta course, et voilà où t'en J'ai es, pris hein. les points. T'as pris les points, et je veux dire, un championnat, ça se gagne sur la régularité, non pas sur la performance d'une course. Bravo, bravo, je veux dire, et dommage pour ton coéquipier, hein, qui, comment dire, Driss, qui s'est fait, je sais même plus, ce qui s'est fait torpiller ou ce qui s'est fait niquer, je me souviens Ah même oui, plus. mais je croyais qu'il y a eu un truc, mais je sais plus quoi. Ouais, je sais qu'il y a eu un truc, mais je ne sais même plus, il s'est passé tellement de trucs à la fin. C'était incroyable. Mais je veux dire, pour un premier Grand Prix, on accepte quand même troisième, non? Ah oui, largement. Vu le circuit et mon niveau dessus, je suis bien content d'une troisième place. Bah ça me rend très très heureux. Je veux dire, cette saison-là, on la prend comment cette chanson, cette saison-là? Vu le calendrier, je m'attends pas à grand-chose. Pas grand-chose? Ouais, mais je vais quand même tenter, hein. Jamais. Bah Je suis plutôt écoute. bon sur certains circuits, mais la régularité, ça va être compliqué. Bah écoute, j'espère en tout cas que tu arriveras à accrocher le plus de points possible, et j'espère en tout cas que tu seras à la place où tu voudras. Et en tout cas, merci beaucoup, Wers, et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, bah merci à toi. Ciao, ciao. Salut. Et on va prendre Doxu. Doxu qu'on a pris juste avant pour une pole position. Doxu qui arrive deuxième. Bonjour Doxu. Rebonjour. Bonjour. Terrible. Terrible cette deuxième place en un tour. Un tour il nous fallait. Bah ouais, je suis malchanceux sur la safety, quoi. Ah c'est sûr que là on sûr qu'on peut t'entendre à mer, et t'as raison. T'as raison, c'est sûr que cette safety car a très très bien placé le groupe Shipper, Wears et Bouzam, Ouais. qui avait encore des softs. Et merci beaucoup pour le sub Tex. Merci beaucoup, let's go. Inespéré cette P6, c'est ce driver of the day. Merci beaucoup, Tex. Mais ouais, Doxu, après, faut. On peut être déçu, je veux dire, une deuxième place, c'est quand même très très bien pour un premier Grand Prix. On lance quand même une saison quand même qui a beaucoup d'espérance, quand. Ouais, bah ouais, mais bon, ouais, difficile à digérer en vrai, parce que bah, je voulais vraiment win ce GP, parce que j'avais large le rythme, je pense, et ouais, bah, il manque un tour, ou ouais, voilà, hein, il manque un tour, tout simplement. Il manquait un tour, il manquait un tour, et c'est sûr. Alors pourquoi pas les sauces? Tu croyais pas aux sauces, toi? Non, non, bah, je savais que, je sais plus, il restait 8 tours, il me semble, Ouais. un truc comme ça, et 8 tours, je savais que. Sur la fin, si je mettais des softs, j'allais galérer et puis bah ça se voyait, hein. Shipper, je revenais vite sur lui vers la fin. Ouais. Mais bon, GG à Shipper, il s'est passé et puis voilà, hein. C'est la course après. C'est la course, c'est la course. Et mais on peut quand même se dire quand même qu'une deuxième place sur un championnat, maintenant faut être régulier pour prendre la couronne, et il faut être, je veux dire.
être tout le temps en deuxième, bah, on peut gagner des championnats comme ça. On l'a vu en MotoGP il y a 2 ans. Ah, c'est vrai. Mais comment dire, c'est courage. T'es un très très bon pilote. Continue à t'entraîner comme ça et tu l'auras cette victoire. Ouais, bah j'espère bien. Merci beaucoup, Merci à toi. Doksu. Ciao. Et on va bien sûr accueillir, je dirais pas le goat, je dirais pas, je sais pas, plein de mots qui viennent en moi, mais bon, je dirais plus un vainqueur. Bonjour, Shipper. Ah, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, comment vas-tu? Ah bah bien, et toi? Bah écoute, moi ça va très très bien. Retour en Grand Prix. On a quitté avec une victoire d'un double champion du monde. Bah écoute, on revient avec une victoire d'un double champion du monde. Quoi. En vrai, c'est le plus gros vol de toutes les victoires que j'ai eues. On va dire qu'elle a été plus opportuniste que l'autre. Voilà. Ah, la safety car, même un merci Acta. On peut dire quoi? On peut dire que là, Acta, dans sa Williams, ça fait tel Latifi, a offert un beau cadeau. Mais quand même, on t'a vu quand même un tour de plus, c'était mort. Hein. Ouais, honnêtement, ouais. Mais déjà, j'étais sur des softs du coup qui étaient un peu en train de tirer la gueule sur la fin. C'était un Ouais. peu plus dur et puis, enfin, Doksu quoi. Genre Doksu, c'est s'il n'y a pas d'effet de course quoi que ce soit, il finit premier. Ouais, clairement sûr, ça, on l'a vu même dès la qualification, le temps qu'il avait mis déjà était monstrueux. Et la course, il l'avait géré d'une main de maître. Et c'est sûr que voilà, cette Sika qui vous a bien aidé, Bouzam, toi et Wers. Il est trois seuls en médium à 11 tours. Vraiment, en tout cas, on a une saison là qui est vraiment incroyable et vraiment épique parce que. Bah on a quand même plein de pilotes là qui ressortent et plein de gros qui sont vraiment en difficulté quoi. Là, oui, franchement, ça va largement changer la tête par rapport à la saison dernière. Il y a du très très beau monde. Il y a eu très très beau monde et on a des gros là qui comment dire étaient un peu compliqués. Il y a Bouzam, j'ai le seum, hein, c'est là clairement on peut pas dire mieux. J'ai autant le Bah. seum que toi vraiment. À défaut de spin avec une Red Bull, il spin avec une Mercedes, c'est pas grave, hein, ça change pas grand-chose, c'est juste la couleur de la voiture. Aïe, coup dur, aïe, directement dans l'œsophage, ça. Hop là, c'est un chaos technique. Mais en tout cas, bravo à toi, Shipper. Et je pense que pour défendre ton titre, il va y avoir de la difficulté parce qu'il y a du beau monde qui tape à la Oh porte. oui. Et Oh oui, ça va être dur. ça va être très très dur. D'ailleurs, petit rappel, est-ce que les montées-descentes. C'est milieu de saison ou c'est que la fin? 5 GP, sur 5 GP, c'est sur les 5 5 GP, premiers ça. GP. Et au vu de ce que. Enfin, tu n'es pas au courant, mais au vu de ce qui se passe en Ligue B, ouais, on va voir. Hein. On Ah en bah écoute, discutera. j'étais au courant de quelques. On en Bah écoute, rediscutera. tour 7, j'ai l'impression de voir peut-être un Grand Prix il y a une saison. Ça me rappelle un Grand Prix. Tiens, genre, c'est Ouais. bizarre, tu sais, c'est un truc qui te rappelle quelque chose, Ouais. un esprit de déjà vu. Oh là, c'est encore une plus grosse honte de ce que je vois, mais bon, C'est. je vais voir. Écoute, Je crois que j'ai du travail là. Allez, ouais, c'est. Ouais, je pense que, ouais, va falloir regarder ça de plus près. En tout cas, merci beaucoup, Shipper. Tu es très très grand aujourd'hui et on espère te revoir encore plus grand. La semaine prochaine, On va pourquoi pas essayer. encore une nouvelle bataille avec Doksu. Allez, Yes, merci. ciao, ciao. Bonne soirée à toi. Et en tout cas, merci à vous, fidèle public, fidèle à vous, d'avoir été là. Je ne sais même pas combien on a été aujourd'hui en termes de viewers. Et en vrai, je m'en fous un petit peu. Moi, je désactive, je regarde même pas. C'est pour ça, parce que moi, de toute façon, I don't care. Merci à vous d'avoir regardé, merci à vous le rediff. Je sais que vous me regardez, merci beaucoup à vous aussi de me regarder. C'était un plaisir de reprendre clairement cette saison, un plaisir très très grand. Dès que la Formule 1 a repris IRL, j'étais genre, ah, arrête de caster là. Comment dire, c'est très beau. On a des pilotes de qualité sur cette saison et j'espère clairement qu'ils vont nous régaler. Et moi, en tout cas, ils m'ont régalé pour ce premier Grand Prix. C'était The Gary King. Pourquoi je dis The Gary King? C'est Gary King. C'est Gary King. Ici. Over.